Bonjour à vous, nous voici pour le 35e épisode de Pokémon version éclat pourpre. Le Pokédex monte à grande vitesse, nous avons capturé Groudon, Kyogre et Rayquaza à l'épisode précédent. Et ben on va se faire encore des légendaires. Donc toujours la même équipe, Istaranga, donc Metalos, Morontar qui est un tir nocif, Iziloké, Drattak, Elinwen qui est un Lagro, Manar, mon starter niveau 100 qui est Brasegali, et le TC niveau 98, Florizarre. Donc ils sont presque tous niveau 100. On va parler à lui, on va se téléporter dans la route 23 si j'ai bonne mémoire. 22, non c'est 22. L'eau est teintée en bleu foncé. Oui, elle est teintée dans... Non, c'est un bleu clair, je suis désolé. Donc, on va continuer à se capturer des légendaires. Alors, les légendaires du jour, ça sera en deux épisodes, bon, assez court, logiquement, si tout va bien. Deoxy, Jirachi. Ah bah tiens, on va commencer par... Non. Latios et Latias. On va commencer par Latios et Latias. Donc, on va aller en port. Bonjour, je peux vous conduire avec la musique d'Oliville. Où vous voulez, si vous présentez le pass adéquat. Où désirez-vous aller? Alors c'est il est on. Alors c'est un petit labyrinthe, l'île est on hein. Alors c'est pas où. Tilton, c'est quoi ce Tilton à la con là, hop. Ouais des Pokémon assez faibles j'avoue. Voilà, voyez là il y a Latias qui nous nargue sur le coin de l'écran. Un Vibranif alors qu'on trouve des Libégons dans le désert. Ouais ça donne pas beaucoup d'XP. Attends, je vais lui donner plutôt 9 chances. Histoire de le faire éplexer un peu. Voilà. Allez, prends metteur dans ta tronche. Ouais, ça donne plus d'XP. Allez, on va chercher la tierce. Par contre, faut que je redonne les restes. Ah, Libégon. Ah, il est pas OS. Allez, on signale. Allez. 33 000 XP. Bonjour, Latias. Alors, elle a l'idée avec qui, du coup? Alors, il y a type psy et dragon. Ça résiste à quoi? Le type psy, type combat. Ouais. Faut être sûr que je... S'ils sont assez fragiles de mémoire, ils sont de niveau 50. Ah oui, s'ils sont de niveau 50, ça m'arrange pas vraiment. Ça craint un type insecte. Ah bah non, oui mais il a la tempête de sable. Type dragon, ah ça là. Bon, on va essayer de l'idée avec Eliwen, avec une attaque surf, en espérant que ça pas l'OS. On va sauvegarder, de front si jamais. Alors, musique, merde. Et oui, il faut une musique de Pokémon légendaire. Alors, la lévitation, donc les attaques, ça sert à rien. Ah oui, c'est vraiment pas efficace. Hein. Oh, s'il me débuff, ça, je peux avoir une idée en tête. Est-ce que plaquage, ça devrait plus l'OS du coup avec le debuff? Ah bah si, bon, allez, reset. Alors si sort ça le OS pas, il y a peut-être un espoir en attaquant sur le spécial de pas le OS. Alors va tenter, valider avec Florizarre. Et oui, parce que niveau 50 c'est faible comme niveau, mais c'est vraiment faible. Allez, je vais tenter une Giga Sensu. Ah, c'est peu efficace. Ah bah voilà, c'est encore mieux là. J'ai trouvé ce qu'il faut. Par contre, ça m'arrange pas vraiment ça. Ah, en plus il a soin. Ah, c'est génial. Bon, j'accélère un peu. Et il m'a rendu fou. Ah, c'est génial. Ah non, bon ça a été annulé non. Ah non il m'a dit buff, je croyais qu'il m'avait rendu. Bon allez, on va tenter de le capturer comme ça. Hein.
Est-ce qu'il y a un truc qui convient? Non, hyperbole, je suis obligé. Oh non, il s'est échappé. Voilà, je dois avoir 10 chances sur 255, puisqu'il n'est pas dans le rouge. Bon, moi, pour Latios, je serai comment le capturer. Ce sera Florizarre qui sera en lead, comme d'habitude. Latios n'a pas du tout envie de se faire capturer. Bon, on va accélérer un peu, histoire que l'épisode ne dure pas 10 ans. Hein. Ah bah, dis donc. Oula, 120 dégâts quand même. Oui, bah c'est sûr que si je l'endors pas, ça va pas le faire. Merde, il dormait déjà. Sac. Il résiste, hein. Bon, les chronoballs, c'est bon, hein. Eh bah putain, mais... Bon, on va passer à 24 chances sur 255 de le capturer maintenant. C'est là les 30 tours, ils ont dû passer. Hein. Alors, je vais vérifier vite fait. Sac, alors. J'ai déjà fait presque 25 attaques déjà, plus le switch. Ça fait 17 attaques. Bon, il va faire un coup critique, c'est génial. Ah, il est mal affaibli, il est plus dans le rouge. Ah mais putain, mais il fait de la résistance celui-là, hein. Allez, mettez reste. Il va y avoir un autre problème, je vais bientôt plus avoir de poutre de dos, hein. Ok, plus de poudre de dos, bon. Bon, je reset, il m'a trop énervé. Ouais, trop poissard, c'est bon quand je suis poissard à mort, ça va bien 2 minutes. Ok. Bon, je reset, il m'a trop énervé. Surf, je vous dis. Un PV, c'est parfait. Poudre de dos. Ah bah là, je suis beaucoup plus chanceux déjà. Là, j'ai vraiment une chance sur 12. Hein. Il a un PV. Hein. Enfin, 12 chances sur 255. Bon, c'est plutôt une chance sur 21. Hein. Il m'a débuffé, c'est génial, donc je suis obligé de switch.
Encore un essai. Bon, c'est la cinquième tentative. La Tias, il m'énerve vraiment. S'il a un moveset qui est hyper, hyper chiant. Alors, il a soin, le gros troll suprême. Il a Psycho qui arrête pas de débuffer mon attaque spé, mais Pokémon et Florizarre prend super cher du coup. Voilà, il est dans le rouge. Un coup critique, en plus il s'amuse à faire des coups critiques, il résiste à mes bols. Voilà, beaucoup de poissons. Donc toutes les tentatives ratées, ça sera passé sous Ellipse, ça vous évitera des jurons et autres noms d'oiseaux. J'ai la bonne tactique pour l'affaiblir maintenant, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Alors il a beau être niveau 50, il fait du gros dégât. Hein. Donc, d'ailleurs, à la première vraie tentative, hein, je parle pas de la toute première où j'ai testé avec... Et ben il a réussi à siphonner toutes mes poudres dodo, mes 15 poudres dodo, hein, tellement il a résisté. Alors j'ai jamais raté mes poudres dodo, ça c'était le seul point... Donc vous comptez le nombre de tours de combat, hein, sachant que... Il faut un tour de combat donc pour faire la poudre de dos et que ça dort en moyenne 3 tours. C'est-à-dire que le combat durait plus de 60 tours. Et il a pas voulu rentrer une seule fois dans une bonne. Ah, il est enfin rentré. Ça y est. La Tias, Eon. La Tias peut communiquer avec les gens par télépathie. Il change son apparence en renvoyant la lumière. 5 tentatives pour l'avoir quand même. Bon, de toute manière, c'est légit de sauvegarder avant un Pokémon légendaire. Hein. Depuis les versions rouge et bleu, bah on fait comme ça. Hein. Il est pas trop fatigué, Florizarre ou... Non, il est en pleine santé. Je vais le mettre en premier pour le prochain d'ailleurs. Alors Latios c'est le plus difficile à trouver. Il faut passer par là. Parce qu'en fait cette île c'est une sorte de spirale. Ouais, je vous explique, c'est un trajet en spirale. C'est assez long et la spirale est assez longue à parcourir. Tilton et Bomber. Cool, non, fuite, parce que c'est insignifiant, niveau 17. Avec la musique du lac colère, le Léviator rouge. Et nous voici devant Latias. Latios. Allez, 381 Pokémon sur le Pokédex. Voilà. C'est parti. Une petite musique épique de Pokémon légendaire. Là, tu sauvages apparaît. Je tente quoi? Bomber direct. Bon, je vais sur. Le genre de choses bien énervantes quand il me l'affaiblit. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il craint pas? Ouais, il est vraiment pas bien affaibli. Ok, reset. Je vais essayer de lead avec... attaque. Deuxième essai. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour l'affaiblir? Il a Danse Draco. Type poison, c'est peu efficace sur le type. Non, c'est que le type combat. C'est bien ça le problème. Bon bah hyper bol, hein, on va brûler. Hein. Ah, je déteste cette attaque. Après bon, s'il fait soin, limite ça m'arrangerait. Hein. Qui va m'obliger à switch. Si je me fais débuffer, il va se faire défoncer l'ETC. Bon, ok, bon. Fail en reset.
Troisième essai. Bon, Bert, t'as fait essayer. Non. Quatrième essai. Bon, ça one shoot. Encore, si c'était pas niveau 50, paradoxalement, ça m'arrangerait. Bon, là, il faut que je trouve quelque chose qui l'affaiblisse mieux, là. Parce... Ah bah, c'est pareil. Super. Donc, Surf fait le même nombre de dégâts que Giga Sensu. Ah, il était presque. Presque. Le chien rate son attaque. Oh bah. Sixième essai, alors je fais des folles, ça m'énerve. Donc il a soin, c'est bon à savoir. Coup critique, ok, septième essai. Ah, il résiste super bien celui-là. Eh bah là il est dans le rouge. Allez. Deux fois d'affilée, il me rate son attaque. Putain, trois fois d'affilée, non mais... Et du coup, il est plus dans le rouge, c'est génial. Ouais, rien. Presque. Ok, je debuff. Allez, attends, c'est bon. Bon, faut que je lead, attends. Ça m'a tellement énervé. On va leader avec Staranga là parce que. C'est le seul qui va pouvoir tanker et royalement toute leur attaque de. Alors rien aussi dans cette one shoot. Ok, tu fais un concours de soins. Voilà. Et au diable endormissement. Allez, je brûle les hyperboles. Hein. C'est Florizarre prend hyper cher. Et en plus, il débuffe la défense P avec son avion. Et ben là, il est rentré. 8 essais pour l'avoir. Et ben. Ah là là, bon. Je vous épargnerai les jurons et les trucs qui sont passés. Là, tu sais, on, d'un tempérament docile, la tueuse n'aime pas vraiment se battre. En rentrant ses pattes avant, il peut voler plus vite qu'un jet. Non, on veut pas lui donner un surnom de défouloir. On a compris. Hein. Non, mais les niveaux sont trop... Alors, en même temps, leur niveau est beaucoup trop bas. Donc, en termes de DPS, bon, y a trop de, on a trop de puissance avec nos Pokémon. Mais ils ont une attaque SP cheatée, qui font énormément de dégâts. À mes Pokémon et... Bon, on va soigner les Pokémon. Allez, du fait. Bon, l'épisode s'arrêtera là, voilà. Je vais séparer les épisodes. Donc, un épisode pour la capture de Latios et Latias. D'ailleurs, je vais voir ce qu'on a capturé au PC. Légende. Roséam. Je sais pas ce que ça fait, d'ailleurs. Résumé. Ah, mais c'est pour ça que... Attends, je vais voir un truc. Alors, je suis allé voir sur internet ce qu'était la Roséam. Et en fait, ça explique tout. Donc, Roséam, la Roséam est un objet apparu avec la 3ème génération. Effet augmente de 50% l'attaque spéciale et la défense spéciale de Latias et Latios. Voilà. Objet cheaté, d'ailleurs, il arrive que ce qui soit interdit à Latios et Latios de porter cet objet en compétition. Et il a été nerfé à la 7ème génération pour monter que les attaques de puissance Psy et Dragon, seulement l'attaque SP, hein, des attaques Psy et Dragon donc, hein, de 20%. Donc ça explique pourquoi il faisait extrêmement mal et il résistait bien aux attaques spéciales. Parce que tous les deux avaient la Roséam.
Lui il était discret. Je sais plus ce que ça augmente. Je sais que ça baisse la vitesse. Et lui il était hardy. Bon, c'est neutre ça. Oh, ils ont quand même de très bonnes stats, hein, je trouve. Hein. À part les PV. Attends, je vois un dernier truc. Genre, juste leur. Non. Résumé. Balle brume. Envoie une rafale de duvet. Et lumière éclat, non, c'est la même puissance. Envoie une lumière intense. Je voulais voir leurs attaques signatures. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode légendaire numéro 1. Avec beaucoup de recettes, jusqu'à ce que ça capture sans que je claque des dizaines et des dizaines d'hyperboles. Donc pour le prochain épisode, tout simplement, on va capturer Deoxy et Jirachi, les deux Pokémon extra secrets de Hoenn. Allez, merci d'avoir regardé, et à plus!